tout le monde, j'espère que vous allez bien et que les fêtes se sont bien passées. Première chose, déjà, bonne année à vous et meilleurs vœux. Et pour commencer l'année en beauté, je vais vous donner la vraie de vraie technique pour avoir des produits remisés, voire gratuits. Donc la vidéo va se dérouler en plusieurs étapes. 1. Je vais vous montrer les choses qu'il ne faut strictement pas faire. 2. La base. Donc on verra par rapport à votre compte Amazon. 3. Votre profil. Et 4. Les sites que je vous recommande pour bien débuter. Allez, on est parti. Première chose, on va tout de suite attaquer les techniques qu'il ne faut pas faire. Il y a deux techniques. Donc première technique, j'appelle ça le léchage de boule envers le vendeur. Bref, je vous laisse avec la vidéo, on en débat juste après. Et là, vous allez sélectionner un objet ou autre question. Écrivez le message. Et là, vous allez vous rendre sur la page de Simone Gadget. Vous allez donc lui écrire un petit message. Le message que je vais écrire, je le mettrai en commentaire pour que vous puissiez le coller et ça vous évitera d'écrire. Donc, CTRL V. Voilà. Donc là, si vous avez compris, en gros, faut passer par le vendeur, nanani, nanana. Voilà, expliquer, oui, j'ai pas beaucoup d'argent. Non, en fait, c'est pas la bonne technique. Pourquoi ? Quand vous envoyez un message au vendeur, en gros, ça envoie une copie à Amazon. Et Amazon, si le vendeur vous répond via cette technique, Amazon voit bien qu'il y a une relation client-vendeur. Et Amazon ne veut pas. C'est risqué pour le vendeur. Le vendeur, il peut se faire bloquer, même vous. Votre compte, il peut se faire bloquer. Donc, je déconseille cette technique. On va passer à la technique numéro 2. Alors, celle-là, je vous la déconseille fortement. Enfin, à part si vous avez envie d'aller en tôle. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Je vous la montre. Comment avoir tout gratuit sur Amazon? Du coup, voilà. Donc, tout d'abord, vous allez dans le site de la description. Donc, ça s'appelle Fake Name Generator. Il sera dans la description. Donc vous choisirez dans mon femme, l'homme ange le américain, vous pouvez générer. Attendez que ça charge. Donc voilà, si dans la vidéo le jeune homme, on va appeler ça comme ça, dit ne vous inquiétez pas, les cartes n'appartiennent à personne. En réalité, c'est faux, c'est un site de cartes bleues volées. Ouais. Allez taper sur YouTube, vous regardez bien dans les commentaires, il y a plein de petits coups de 12 ans qui l'ont fait, et vous verrez les problèmes qu'ils ont eu. En gros, je vous l'explique. Au lieu de recevoir le colis, alors la plupart c'est annulé. La commande est annulée au bout de 20 minutes, 20-30 minutes. Mais d'autres c'est accepté. Mais c'est pas le colis qui reçoivent, c'est la police. Alors ce qui en découle, c'est déjà de 1, vous allez payer une grosse amende. De 2, vous allez payer le produit. Et de 3, vous êtes banni à vie d'Amazon. Voilà, donc Amazon même peut porter plainte pour escroquerie. Donc voilà, je vous déconseille surtout cette technique. Même la première, ça ne marche plus. La première ne marche plus depuis septembre 2016. Donc ça sert à rien de passer par cette technique. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va à la base. Donc j'ai appelé cette technique la base parce que vous êtes forcément dans l'un des groupes suivants que je vais dire. Petit 1, vous n'avez jamais commandé sur Amazon, vous n'avez pas de compte, c'est chaud pour vous. Parce que la technique ne marche pas forcément. De 2, vous avez commandé sur Amazon, mais vous n'avez jamais commenté un produit. Donc, je vous conseille d'aller commenter vos produits en mettant des photos. Mais par contre, on est bien d'accord, les commentaires, c'est pas un commentaire d'une ligne en disant
conforme à description. Non, c'est franchement des commentaires de, on va dire, 5-6 lignes. En disant oui, machin, je l'ai fait tout ça. Bref. Troisième cas, vous avez commandé sur Amazon, vous avez commenté, mais les commentaires sont pas tip top. Je vous conseille de reprendre vos commentaires, de les améliorer. N'hésitez pas à ajouter des photos. On est parti pour l'étape numéro 3, le profil. Donc, pour savoir, parce que vous en aurez besoin pour les sites, je vous montre juste comment récupérer votre profil. Donc, vous arrivez, vous vous connectez, et puis vous allez dans compte. Et là, vous cliquez encore sur compte, vous descendez un petit peu, et logiquement, vous avez profil. Vous cliquez. Ah, bien sûr, il faut que je rentre le mot de passe, super. Ah là là. Et en plus je l'ai loupé, bravo. Trop de sécurité chez Amazon. Donc voilà, vous avez votre profil. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le lien de votre profil. Donc ce qui est là. Ce que je vous conseille moi, c'est de le coller dans un bloc-notes, dans un fichier bloc-notes. Vous le collez, vous appelez ça mon profil Amazon. Comme ça, vous êtes sûr de l'avoir et vous n'êtes pas obligé à chaque fois de faire toutes ces étapes pour le récupérer. On va passer à l'étape numéro 4, les sites. On se retrouve sur les sites, je vais vous en proposer 4. Donc le premier, c'est Test Zone. Ah oui, je tiens à préciser que tous les sites dont je vais parler sont en description. Donc tu peux aller checker, t'inscrire, il n'y a aucun souci. Donc le premier site, c'est Test Zone. Donc ce site, il est bien, franchement il est bien, j'ai eu plein de trucs. Vous créez votre compte et je vous explique un petit peu comment ça marche. Donc déjà, ça va des produits gratuits à 50%. Si vous voulez voir toutes les choses gratuites, vous allez dans prix testeur. Et là, vous commencez par, en fait c'est par les prix croissants, de 0€ à belle lurette. Hein. Belle lurette, expression qui n'est plus utilisée, pas grave. Donc là, pareil, donc voir, c'est voir sur Amazon et obtenir le code de réduction. Donc, obtenir le code de réduction, il faut le mériter. Donc, en gros, que pouvez-vous faire pour moi? Donc, si vous avez soit un compte YouTube, soit un compte Facebook, soit même Twitter, ça marche, Insta, machin. Ça, je vous le laisse. Mais un conseil, c'est pour ça que j'ai fait l'étape du profil. Mettez votre profil Amazon parce que le vendeur il va surtout s'intéresser à commenter vos produits parce que ces produits là c'est bien beau mais il faut déposer un commentaire sur Amazon. Donc c'est pour ça que je vous dis voilà, mettez votre profil, surtout un conseil, mettez votre profil et votre adresse mail parce que après le vendeur il va garder contact. Moi parce que je reçois à peu près tous les jours des mails de vendeurs en disant ouais viens tester ça, 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 ça. Juste pour info, s'il y a des vendeurs qui vous disent ouais ce test il est vachement bien mais par contre c'est PayPal, je vous rappelle que PayPal, enfin je vous rappelle, non je vous dis que PayPal c'est interdit. C'est écrit dans la charte d'Amazon, si vous utilisez PayPal, merci d'être passé chez Amazon, au revoir. Deuxième site, c'est à peu près pareil, on va passer chez Vipon, pareil vous connectez, moi j'ai pas créé mais bon. Après voilà, c'est des petits accessoires. Dommage, s'il leur était gratuit, je l'aurais pris, mais bon. Ouais, c'est surtout, Vipon, c'est surtout des coques de téléphone. Malheureusement, il n'y a plus le Galaxy S6, j'ai le seum. Donc là, pareil, il faut attendre que le vendeur accepte pour vous filer le code. Amazon Deal, alors ça, je l'ai connu il y a très peu de temps, c'est exactement pareil que Vipon. Vipon, c'est pareil. Et enfin, le deuxième plus intéressant, ça, alors ce site-là, il est bien, c'est Test Club. Donc de toute façon, tu peux checker en description. Donc tu as plein de produits. Voilà, t'en as plein, ça peut aller de gratuit à, je sais pas, j'ai pas trop regardé dessus. Voilà, sans prendre dans l'ordre décroissant. Et ben voilà, j'ai ma réponse. Ça peut aller de 3€ à gratuit. Parce qu'il y a des choses gratuites en ce moment. Ah ouais, il y a des choses gratuites. Vous créez un compte
Sauf que ici, ce qui est génial, c'est que vous avez le code immédiatement. C'est-à-dire, si vous cliquez par exemple sur participer, pam, vous avez le code directement, vous pouvez commander directement. Donc les deux sites que je vous recommande sur les quatre, c'est TestZone et je vous ai fait le cadeau de début d'année. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que cette technique vous aura plu. J'espère de vous avoir bien conseillé sur comment avoir des produits. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta, bref, tout est dans la description. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher le pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Si tu as des questions par rapport à ces techniques, tu me les mets en commentaire, j'y répondrai dès que je peux, parce qu'en ce moment, ça va être un petit peu le bordel ce mois-ci. Donc voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!